personne ne laissera son empreinte sur le trottoir. Les rues de nos villes, c'est pas Hollywood Boulevard, a dit le type en balayant quelques feuilles mortes et puis l'espoir. Se croyant un peu trop fort qu'on raconterait leur histoire. Papy est parti au ciel sans passer par l'aéroport. En fermant mes yeux très fort, je peux le voir encore, a dit l'enfant en pressentant que mieux valait ne pas devenir grand. Parce que tout comme lui, les problèmes allaient s'accroître avec le temps. Qu'importe nos métiers, on ne fait qu'occuper l'espace avant qu'arrive un remplaçant. Qu'à recul, on se casse, a dit la fille tout en fumant devant le grand bâtiment blanc. Puis elle est remontée lentement à son bureau et son écran. Mon grand, le pire c'est le jour où tu parviens à l'oublier, a marmonné le type juste avant de rajouter. Moi, je traîne dans les bars comme quand tout espoir est mort et qu'on ne cherche plus quelqu'un mais qu'un corps. Évidemment, sont toujours faits pour les vivants. Mais les vivants, évidemment, n'aiment pas aller aux enterrements, a dit la femme travaillant dans le café près du cimetière. Devant les tombeaux de marbre, on voit si les cœurs sont en pierre. Chérie, ne m'attends pas, ce soir encore, je ne suis pas là. C'est le boulot, c'est comme ça, j'espère que tu comprends, dis-moi. Mais la fille ne répondait pas parce qu'elle pensait à son avenir. Chérie, tu penses à quoi, dit le type qui ne voyait rien à venir. Les hommes, ça parle, et puis ça meurt. Et comme les paroles s'envolent, alors il ne reste que des fleurs, a dit le type qui écrivait le soir sur son ordinateur. Rêvant qu'une fois publié, il connaîtrait le bonheur. On se dit toujours plus tard, et puis plus tard devient jamais. Personne n'en a neuf, mais une con remplie de regrets, a dit le type, réalisant que le temps filait vite déjà. Ce à quoi il rajouta, nous ne sommes pas des chats.